Lorsque Galvanax, le cruel champion des guerriers galactiques, a voulu s'emparer des puissantes étoiles de pouvoir, une nouvelle génération de guerriers s'est levée pour les protéger. Transformation ! Lors du dernier grand combat, les Rangers ont vaincu Galvanax, une fois pour toutes. Après le combat, leurs étoiles de pouvoir se sont autodétruites. Les Rangers sont enfin en sécurité. Mais pour combien de temps ? Alors, Brody, voilà pour toi. Ah, merci, Sarah. Un tambourin. C'est génial. Il y a un cadeau pour moi aussi. J'adore nos pulls. C'est un super casque, Sarah. Merci beaucoup. Ravi que ça te plaise. Comment s'ouvre cette boîte? Nom d'un petit boulon. Comment tu as pu savoir ce que je voulais pour Noël? J'avais codé ma liste de cadeaux pour la protéger. C'est grâce aux notes de mon journal intime. J'ai noté ce qui vous plairait quand vous en parliez. J'ai hâte de voir le cadeau que vous allez m'offrir. C'est ça, les amis. Ha ha. Vous faites semblant de pas avoir de cadeau pour moi. Très drôle. Oh non. C'est gênant. Très gênant. En fait, la vérité, c'est que... on va tout expliquer. Ah, oh. Vous n'aviez pas pensé à me faire un cadeau. Bon, ok, ça fait rien. Surprise, les Rangers! Ou devrais-je plutôt dire ex-Rangers? J'ai un cadeau pour vous, votre propre destruction! Catocloc? Mais on t'avait détruit! Je suis Cléocatra, pas Catocloc! C'était mon cousin préféré. Au cas où vous auriez oublié ce que vous lui avez fait, je vais vous rafraîchir la mémoire! Surprise! S'il vous plaît, que personne ne bouge! Non! Le livre nous a cloués tous sur place! Non! Non, pas tout le monde! Rattrape-le, Cody! Non! Maintenant, je dois délivrer mes amis! Où est passé le monstre chat? Ne vous inquiétez pas, les Rangers! Cody est en train de nous pourchasser! Il a jeté un mauvais sort à mes livres! Dès que vous en touchiez un, vous vous figiez immédiatement! Puisque tout le monde est sain et sauf, venez, on va lui montrer qui est le patron! C'est parti! Tiens, rouge et blanche, frappe d'acier! Zombie en ninja! Couchez, vilain chaton. Vous m'avez battu d'une moustache. L'heure de la vengeance a sonné. C'est pas vrai, il nous faudrait nos étoiles de pouvoir. Rayon temps suspendu. Attention. Je vous ai bien eu. Contrôlez le temps! Je t'interdis d'y toucher! Hé! Reviens tout de suite! Rends-le-moi! Aïe! Père Noël? Qu'est-ce que vous faites là? J'étais en train de vérifier sur ma liste si Victor et Monty avaient été sages et non! Te voilà! Fais attention avec cet appareil! N'appuie pas sur les boutons! Oh, je dois sauver mes amis! Je m'attendais pas à ça. Grosse erreur.
Vous allez être aspiré dans le portail temporel. Oh, nom d'un chat. Oh non, je n'en reviens pas. Sarah, est-ce que tu peux me dire ce qui se passe? Le monstre s'est servi de cet appareil pour emprisonner mes amis dans l'espace-temps. Heureusement, j'ai réussi à m'en emparer et à m'échapper. Alors, ce doit être un portail temporel. Tu dois retourner là-bas et détruire ce monstre. C'est impossible sans nos étoiles de pouvoir ninja. Ça fait des mois qu'on les a plus. Ça fait des mois. C'est ça! Je vais voyager à travers le temps et rassembler nos 6 étoiles de pouvoir. Mais comment vas-tu savoir à quelle date retourner? Mon journal? Mon journal va m'aider. Alors, Oh, ça c'est une bonne date pour essayer. C'est le moment où j'ai créé les clones. J'avais adhéré à 4 clubs en même temps. Ouh, c'était de la folie. Arrière, monstre! Arrière! Arrière! Ça va? Tu te sens bien? Qu'est-ce qui se passe? Très intéressant! Wow! Sarah! Elle vient de s'évaporer! Mick, tu devineras jamais ce qui est arrivé à Sarah. Désolée, les Rangers. C'était pas moi qui m'entraînais avec vous, en fait. Et enfin, de quoi est-ce que tu parles? Eh ben voilà. J'ai inventé ceci. C'est un holoprojecteur. Ça projette une sorte de clone virtuel qui a le même physique et les mêmes attitudes que moi. Wow! Ouais, je pense que ça peut marcher. Mais il va falloir que je trouve un moment où je travaillais toute seule. Je vais remonter le temps pour récupérer l'étoile de pouvoir Ninja Rose. D'accord, je t'attends là. Bonne chance. Merci. Je me souviens de cette journée. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? T'es quel clone holographique? Désolée, j'ai dû perdre ta trace. Je suis pas un clone. Je suis toi, je viens du futur. Attends, je vais te le prouver. Seule la véritable Sarah a un journal intime. Wow. T'es vraiment moi? Ouais. Ça, c'est cool! Bah, en fait, c'est pas si cool. Parce que dans le futur, un monstre s'est emparé de nous, quoi. Je dois t'emprunter ton étoile de pouvoir ninja pour pouvoir le détruire. D'accord. Je te la donne, puisque t'en as besoin. Merci. Je te la rapporterai en parfait état. Merci! Moi. Ah, te revoilà. Eh oui, avec l'étoile de pouvoir Ninja Rose. Mais je dois récupérer les 5 autres, sinon je ne pourrai pas sauver mes amis. Ce monstre est beaucoup trop puissant pour moi, j'ai besoin d'aide pour le combattre. Alors, quelle étoile de pouvoir je vais récupérer? Oh, voilà, le jour où on a rencontré Levi. Ça pourrait marcher. N'oubliez pas les règles. Quand vous approcherez de Levi, pas de photo, pas de cri et ne lui serrez pas la main. Il n'a pas besoin des miasmes de ses fans avant sa grande tournée. Les miasmes de ses fans? Il est sérieux? Tais-toi, ça suffit. Vous ne vous êtes pas déguisé? Je suis pas vraiment un fan. Tout va bien, Tom. Laisse-le tranquille. Je vais détruire tout le monde sur mon chemin! Je vais commencer par ce cowboy! Attention! Merci beaucoup. Il faut partir! Voyons voir. Levi s'est retrouvé seul quand... Oh! Quand Brody l'a mis en sécurité. C'est le moment parfait pour aller le voir. J'espère que tu as raison. Je reviens, Père Noël. Oh, chaque fois, ça me fait sursauter. Hé, hey, tu voudrais un petit job? Après ce qui vient de se passer, je devrais prendre un garde du corps. Juste pendant que je suis en ville pour le concert. Moi? Que je travaille pour toi? À tout à l'heure. Wow! Comment t'as fait ça? Écoute, je sais que la journée est déjà assez bizarre comme ça, mais... Salut, je suis Sarah. Je viens du futur. Du futur? Bon, pour résumer, j'ai besoin de ton étoile de pouvoir. Quoi? De ton étoile de pouvoir, tu sais. Elle ressemble à ça, mais la tienne est dorée. Elle ressemble à la mienne? Oui. Il y en a d'autres? Et d'où est-ce qu'elles viennent? Ne t'inquiète pas, tu le découvriras très bientôt. Je t'en prie,
Je te la rapporterai très vite, je te le promets. Tom ! Hein ? Merci, Lévi. Tiens. Prends-en bien soin. Promis. Merci. J'ai 2 étoiles de pouvoir. Il en manque 4. Alors, quelle étoile je vais récupérer ensuite? Oh, oui, voilà, l'arbre au ruban. Wow. Regardez, il y a des milliers de rubans. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Ouais, c'est quoi l'idée? C'est vraiment génial. On accroche un ruban qui symbolise une chose importante comme la famille, les amis. C'est qui ces gens? Qu'est-ce qui se passe? Allez, au travail. Poussez-vous les jeunes. On doit abattre cet arbre pour construire un gratte-ciel. Ils vont abattre l'arbre au ruban? Ils n'ont pas le droit. N'est-ce pas? Non, on les laissera pas faire. À moins de vouloir accrocher un ruban, vous ne l'approcherez pas. Vous croyez? On a ensuite laissé Calvin et Ellie seuls dans l'arbre. Peut-être que je peux récupérer leurs 2 étoiles. Je reviens tout de suite, Père Noël. Oh, encore. Je sais, on va faire des affiches. On va en mettre dans toute la ville. Excellente idée. Allez-y, on reste ici et on poste sur Internet. Allez, venez, on a du travail. Ouais. Je vais commencer tous mes posts avec les mêmes mots-clés. D'accord, lesquels? Arbre au ruban. C'est parfait, j'adore ton idée, Calvin. Les amis? Salut, Sarah. T'as oublié quelque chose? Est-ce que t'es allé changer? C'est une longue histoire. Je viens du futur, un monstre vous a pétrifié et la seule façon de vous sauver... Je peux vous emprunter vos étoiles de pouvoir? Bien sûr. Merci, vous êtes les meilleurs. C'était plus facile que je l'aurais pensé. Je les ai récupérées. Oh, ça fait 2 étoiles en plus dans le sac. Oui, mais il me faut encore la bleue et aussi la rouge. Je dois trouver un moment où l'un des deux, soit Preston, soit Brody, était tout seul. Oh, peut-être pendant les élections du président des élèves. Votez tous pour Ailey. Votez pour Calvin. Des cupcakes? Il y en aura pour tout le monde. Vote pour moi. Merci. Mais de rien. Tiens. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est super épicé. Bataille de gâteau. La bataille de gâteau. Preston se cachait derrière la table. Prochain arrêt, la bataille de gâteaux de Summer Camp. Des gâteaux? Tu crois que tu pourrais me rapporter un petit gâteau? Un gâteau? Père Noël, c'est une affaire très sérieuse. Si je récupère ces 2 dernières étoiles, je pourrai sauver mes amis. Tu as raison, je suis désolé. Ça va. Merci. Je l'ai eu. Il ne me manque plus que l'étoile de pouvoir rouge. Alors... ici. Brody était seul avec son étoile de pouvoir parce que... on avait tous été capturés par Galvanax. Il va utiliser son aimant pour s'emparer de ton étoile, sauve-toi! Conduisez-les au vaisseau! Ne vous inquiétez pas! J'arrive! Non! Oh que si! C'est la fin de l'histoire et elle se termine mal pour vous! Souffle le ninja! Brody! Brody! Tiens, c'est la dernière étoile qu'il nous reste. Ça va marcher! Moto méga mort! Pleine puissance! Souffle le plasma! Brody voudra jamais me donner son étoile. Sans elle, il pourra pas nous sauver.
Tu dois trouver un moyen de le convaincre, ainsi tu pourras sauver tout le monde. Mmh. Oui, c'est vrai. Merci, Père Noël. Il faut trouver une solution. On peut pas simplement s'échapper. On doit y retourner et se battre. Sarah ? Salut. Mais tu... Galvanax t'a capturé ? Oui et non. En fait, je suis à deux endroits à la fois parce que je viens du futur. J'ai voyagé dans le temps. Quoi ? Comment est-ce possible ? J'ai pas le temps de vous expliquer. Je dois t'emprunter ton étoile de pouvoir. C'est important. Je t'en prie. Non, je regrette. C'est la dernière étoile qui nous reste. Je sais pas du tout ce qui se passe. Mais je peux pas te donner mon étoile de pouvoir. Brody, t'as l'impression d'être notre seul espoir et qu'on attend de toi que tu trouves une solution pour tous nous sauver. Je sais ce que tu ressens parce que je suis dans la même situation que toi. Je sais que ça semble être de la folie, mais j'ai besoin de ton étoile de pouvoir pour nous sauver dans le futur. Je t'en prie, fais-moi confiance. Bien sûr que je te fais confiance. Je te la rapporte très vite. Bonne chance, Sarah. Attends. Si tu viens du futur, tu sais comment ça se termine. Comment est-ce qu'on va sauver le monde? Si je te le disais, je changerais l'avenir. Mais Brody, quand le moment viendra, tu sauras quoi faire. Père Noël, j'ai réussi! J'ai convaincu Brody de me donner son étoile. Maintenant, je les ai toutes les six. Regardez. Bravo, Sarah. Où est-ce qu'on va? On retourne là où tout a commencé. Au lycée, quand le monstre a pétrifié mes amis. Je vais retourner là-bas. Je vais les libérer de leur sort. Et je vais donner à ce vilain chat une bonne leçon. Bien dit, Sarah. Et moi, je vais pouvoir distribuer le reste de mes cadeaux. Accrochez-vous! On retourne au point de départ. Déposez-moi là, Père Noël. D'accord, Sarah. Merci, Père Noël. L'heure de la vengeance a sonné. C'est pas vrai. Il nous faudrait nos étoiles de pouvoir. Rayon sans suspendu. Attention. Je vous ai bien nul. Libérez-les. Mon appareil a contrôlé le temps. Je t'interdis d'y toucher. Hé, on revient tout de suite. Viens. Sarah ? Qu'est-ce qui est arrivé à Cléocatra ? Et comment t'as récupéré nos étoiles de pouvoir ? Pas le temps de vous expliquer. Le monstre ne va pas tarder à revenir. Je vais commencer par détruire les Rangers que j'ai pétrifiés. Surprise ! Oh ! Les Rangers ! Miaou ! Tant pis pour ma vengeance ! Je me sauve d'ici ! Venez, les amis ! On va jouer à chat ! Miaou ! Oh ! Ne bouge plus ! C'est fini, boule de poil ! Tu vas apprendre ce qu'il en coûte de s'en prendre aux Rangers ! Souffle ninja ! Debout, chat de gouttière ! Lion de feu ! Tourbillon ninja ! Surgit des flammes prêts à prendre les arbres ! Lion de feu rouge ! Non ! Je n'aime ni les lions ni le feu ! Et si on pétrifiait à notre tour, boule de poil ? Alors, comment ça marche, ce truc ? Les amis, qu'est-ce qui se passe ? Oh non ! Brody ! Qu'est-ce que tu as fait ? Tu es fou ! Tu as appuyé sur le mauvais bouton ! Il est devenu géant ! Waouh ! Mon appareil a contrôlé le temps ! Wow ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Moi aussi, je peux jouer à ce petit jeu ! Tu ne fais pas le poids contre moi ! Je fais la taille d'un Mégazord ! C'est un méga Ranger ! Ton heure a sonné, Ranger ! Attrape-moi si tu peux, j'ai capu ! Oh,
T'attends. Attention, j'arrive. Ah, il m'a fait un croche-pied. Yeah. Oh, bon rouge. T'es arrivé juste à temps. Je te présente mon ordre. Prenez ça. Et toi, l'armure du lion de feu, verrouillage. Lion de feu, tourbillon ninja. Attaque du lion en flamme. Attaque fatale. Aïe, mon terrier. Oh non, ça s'annonce mal pour moi. Joyeux Noël, boule de poil. Du combat, victoire des ninjas. Oh, ça a marché. Oui, les étoiles de pouvoir sont retournées à leur époque. Il ne reste plus qu'une chose à faire. Ouais, il faut détruire cet appareil. Le cours du temps a été rétabli. C'est sûrement pour ça qu'on ne se souvient pas de t'avoir donné nos étoiles. Écoutez, les amis, je suis désolée d'avoir mal pris le fait que vous n'ayez pas de cadeau pour moi. Aujourd'hui, j'ai failli vous perdre et ça m'a aidé à comprendre que l'esprit de Noël n'est pas dans les cadeaux qu'on partage, mais dans le fait d'être avec ceux qu'on aime. Ce qui fait de ce Noël le plus beau de tous les Noëls. Je vous aime très fort. Venez là. Alors t'as vraiment cru qu'on n'avait pas de cadeau pour toi? Sarah? Suis-nous. Allez, viens. Où est-ce qu'on va? T'es prête? Ça te plairait de tester la vitesse de mon train, non, Sarah? Alors c'est pour ça que le Père Noël était là. Tu aimes la vitesse? Et lui, il fait le tour du monde en une nuit. Ah, je te laisserai même prendre les rênes. Oui. Merci, 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 merci. Alors ça, c'est le plus beau cadeau de ma vie. J'arrive pas à y croire. Merci beaucoup, les amis. Au revoir. Salut, Sarah. Au revoir.